Amen. Et Dieu. Même encore nous, je suis content là ce soir parce que beaucoup de personnes sont parties. Vous tout bon, mais vous pouvez voir que même tout à l'heure, nous avons lancé la mort d'une sorcière. Nous sommes en vie, grâce à Dieu. Alors, oui, je suis heureux d'être ici. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer le prophète Joël. Je l'ai suivi pendant des mois. Parce que il y a tellement de monteurs, tellement de gens qui disent. Donc quand j'ai commencé à voir son message, j'ai pas tout de suite cru à tout ce qu'il disait. Et je disais souvent avec les gens, allez, je t'aime, et tu vas encore un autre temps. Sans me connaître. Et donc chaque fois je suivais, et je regardais ces vidéos. Et quand je découvrais qu'il chassait les sorciers, je lui dis qu'il était allé dans la région des Gallois. Et j'ai vu une femme avec des serpents, une image solide. Ça a commencé à changer mon raisonnement. Alors j'ai continué à le suivre. J'ai vu une vidéo où il expliquait comment son père a été attaqué. Ça commençait à ouvrir mon esprit. Et quand j'ai vu tous ces témoignages, j'ai vu que ce qui prêchait allait directement, sortait directement de la Bible. Parce qu'on a tellement vu les gens à bien sortir le discours et voir ce qui dit. Donc, je me suis dit, il faut faire attention. Encore quelqu'un qui est arrivé pour endormir les gens. Et puis, je vis dans une de ces vidéos où il était en combat spirituel avec quelqu'un qui attaquait au cours d'une défense. Et j'ai compris que ce n'était pas de l'amusement parce qu'il était vraiment secoué. Et nous disons qu'il est de ça m'a donné de quoi réfléchir. Et ça a changé tout mon entendement. Alors je lui ai envoyé un message. Pour lui dire, homme de Dieu, je reconnais un homme que c'est homme de Dieu. Parce que ce que j'ai vu a changé mon raisonnement. Et je suis rentré en contact avec lui. Et j'ai demandé qu'il prie pour moi. Et j'ai demandé de rencontrer parce que j'ai compris que Dieu est avec lui. Alors je vous dis aujourd'hui, c'est un vrai homme de Dieu. Parce que jamais il a parlé de lui. Mais il a toujours présenté Jésus notre Seigneur. Imaginez si chacun devait payer des séances de délivrance. Je crois que personne ne le verrait. Parce que combien ça allait coûter de pouvoir chasser un démon? On n'aurait jamais été délivré. Mais il le fait. Alors j'ai décidé que la maison que j'ai, c'est une maison qui doit soutenir le Dieu. Et j'ai toujours dit que c'est Dieu qui m'a donné les moyens pour faire cette maison. Et je crois que le prophète est bienvenu. Nous allons le soutenir. Il a besoin d'être soutenu. Parce qu'il ne va pas s'arrêter ici. Quand hier, je regardais toutes les séances de délivrance, les yeux ont vu ce que mes
vous rappelez que toutes les activités sportives, les guides, les 7 minutes par les questions, les questions qui étaient organisées par le ministère de la formation des armes, mais il y a aussi ce conseil organisé par le professeur Chasseur, en invitant la crise de tous à présenter au public, la présentation. Il est le fondateur, ou du moins le responsable du centre de prière de délivrance, basé à Zaroko, dans la sous-préfecture de Lyon, dans le département des stations, dans le département de Dino. Qui va un peu stipuler sur cette humeur qui a coulé. On va voir ça. Pour le faire tout ça. Et puis, il y a la banane, on va faire des mots.
esprit. Parce que vraiment, il y avait trop de présence. Oui, c'est cela. Lorsque Dieu m'a mis à cœur, c'est encore le temps. Ça a créé beaucoup de choses. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la vie. La grande dit que vous êtes allé partout. La grande est allée partout. Il fait des congrégations. À mon mari, ici. Et vraiment, ce canton, le vraiment, c'est que les gens veulent vraiment le présent de Jésus. Même le roi, pour moi, Jésus-Christ. Il fallait vraiment payer le prix. Il a fait un salon. Elle a rencontré comment on s'est rencontré. On a dit elle. Ça n'a pas été vraiment facile. Il a payé le prix. Mais c'est ça le prix à payer. Merci. Vous recevez les âmes pour payer le prix. Et pourquoi pas pour vous aller dans le salon? Pour payer le prix. Les gens disent tout ce qu'ils pouvaient dire. Nous avons gardé le courage. Je vais dire quoi ici? Les gens m'ont demandé de quitter le village. J'ai dit si je suis de Dieu, si je ne suis pas de Dieu, je ne viendrai plus dans mon village. Si Dieu me reconnaît comme un sénateur, je poursuivrai cette prédication. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons délivré beaucoup de personnes.
Parce que Patron ne va pas. Regardez, les hommes disent quelque chose. Jésus dit, allez, réponds d'abord à Dieu. D'accord. Mais le but que Dieu vient à faire, c'est le fait de vous ses disciples. Amen. Amen. C'est le fait de vous ses disciples. Je souhaite que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Parce qu'au départ, les gens parlaient de la sorcellerie. Les gens avaient peur. C'est la relève, la jeunesse. La jeunesse, c'est la relève. Je parlais toujours de Jésus. Il n'y a pas peur de mon maman, il n'y a pas peur de mon papa.
Il a reçu les habits.
l'enlèvement de nos enfants. La semaine prochaine, il y a encore une délégation qui arrive. Avant, il va apporter encore quelque chose là-bas. Et après cet événement, se préparer pour notre événement, à cause d'un mythe, réhabiliter le dispensaire. Et là, nous, souvent, des cas de personnes, en fait, ça, c'est pas retourner en famille.
une atmosphère très bizarre, mais nous devons les replonger encore dans l'état d'apostérité. Je préfère garder ces enfants. Et c'est ce que j'ai fait pendant un temps. J'ai changé les parents, ma mère est pas. Même sa mère. J'ai touché mon téléphone. C'est tout récemment. Donc oui, je suis rentré en contact. J'ai même dit aux gens, dis-le quoi. Je vais voir les parents de l'Ibad. La tête, c'est un témoignage. La tête, c'est pas mon village. Dans un nouveau dépôt. C'est pas mon village. Il est où l'époux? Je suis maintenant, je suis devenu maintenant fils. Il est où c'est quand même la cour. C'est pas mon village. Alors, le petit, mais non. C'est vrai qu'il est arrivé. Oh, c'est toi qui as l'école. Mais non, mais il faut pas le ça. L'année dernière, il est pas à l'école. Mais c'est cette année, il n'est pas à l'école. Non, mais c'est pas dans le groupe. C'est moi qui l'ai dit en janvier. Encore, je ne veux plus faire. Nous en avons dit, il faut aimer l'homme. Non, non, non. L'homme est fait qui arrive à l'école. Non, non, non. Il a bien précisé, Patrice, on a dit à France. Oui, parce que dans son village maternel, il y a une vidéo qui passe sur Internet au Cameroun. Mais dans son village maternel, ils ont brûlé les enfants. Non, je vous ai pas dit. Pour le village maternel, on brûle les enfants. Et bien, il y a des échanges qui sont en train de se faire. Et c'est ce qui comprend beaucoup de choses. Nous avons besoin d'aider les gens. Nos parents besoin d'être aidés. Avec moi la terre. Nous souvent qu'on nous voit souvent le prophète avant de parler les procès des sorciers. Moi le fait que je dois faire, à mes moyens de débarrasser les individus de ce groupe. Je vais devenir notre petit. Je vais faire un maïs à sa famille, à son village, au groupe et à sa nation. Les pas compris. Amen. Je suis le refait par la grâce de Dieu. Papa venu me voir. J'ai changé avec lui. Amen. Je n'ai rien contre toi. Au village,
Puis le prophète a reposé, et je suis arrivé. Puis je suis venu avec lui, sa maman, pour prendre un congé. Le congé était presque fini, je suis parti. Donc c'est pour ça que sa maman est venue avec lui. Elle a repris ma grand-mère qui est là. Je me souviens avant. Donc, ensuite de ça, dans le mois de février, on m'a appelé que l'enfant, la femme a abandonné l'enfant ici. Donc, à chaque mois, on prend un contact. Donc, parce que c'est ce qu'on fait, ça fait près d'un an aujourd'hui, l'enfant est ici. Depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait près d'un an. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire. Je dis merci au prophète, le président des jeunes de Mobro aussi, qui a tout fait pour moi, pour que je continue la contact avec le prophète. Puis le président des jeunes de l'Afrique, c'est un pasteur de Zarago, voilà, qui a participé aussi. Puis j'ai dit merci aussi à ma grande soeur, la Parisienne, qui a fait venir ce fait. D'accord. Je pense que c'est pas grand chose. Du coup, pour la parole, mais simplement, il y a un petit peu qui avait donné, c'est un cadeau pour attirer les reconnaissances. On n'est pas d'argent pour vous dire, ah, pour faire ça, 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 ça. C'est un petit cadeau, c'est un petit cadeau. On va juste présenter le cachet qu'on appelle le cadeau. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?
Ils vont développer le bazar. Ils vont développer la Côte d'Ivoire. Ils vont prier pour tous les cas. Et Dieu les protège. Ils ne soient plus victimes d'assorter. Ils aient peur de venir dans le village. Ils vont prier pour tous les villages. Ils vont prier pour la mauvaise colère. Ils vont prier pour la sagesse et les délivrances. Ils vont prier pour les délivrances des cas. Prions dans le Seigneur. Nous voulons te prier, notre Dieu. Merci de te manifester. Nous te confions le bâtard. Oui, viens et règne, Amen. Viens et règne, Amen. Viens, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Nous comptons sur ta main, Jésus. Nous comptons sur ta main, Jésus. Nous comptons sur ta puissance, Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus. En donnant l'explosion, maintenant même, la puissance. Un, deux, trois, moins, quatre,
8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9,